si on est en live, a priori oui. Salut les mecs, salut les polos et les ringards et bienvenue sur un nouveau stream. J'espère que vous m'entendez, j'espère que tout est ok. J'ai lancé le jeu, voilà, je vais prendre mon téléphone pour voir du coup vos messages. Voilà, salut mon Guibrouche, ça va? On t'entend bien? Super, nickel les mecs. Alors attendez, hop. Voilà, je vais essayer de me mettre un peu plus le chat. Voilà. Alors, oulala. Ouais, salut Loïc, mon Jérôme, Dark Twins, Guibrouche. Voilà, mon Jérôme, Jing, mon Sylvain, salut Mouridic. Comment que ça va? Alors, est-ce que vous me voyez? Normalement, c'est à gauche, au milieu. Le son, est-ce que ça va? Alors, l'image, on n'est pas en HD, hein, je suis désolé. Voilà, salut mon Nico. Salut Pete, comment que tu vas? Salut Croatoine. Donc, l'image, on n'est pas en HD parce que là, je stream depuis la Xbox. Voilà, on est en 480p seulement. L'image va pas être terrible, hein, mais normalement, le son, ça ira. Voilà, après, bon, j'ai choisi Astalone exprès, hein, c'est du genre pixel art, les mecs. Donc, on va pas forcément avoir besoin de. Comment dire, d'une qualité d'image de ouf. Salut mon Julien. Salut mon Harold. Voilà, comment que ça va? Les mecs, confirmez-moi que tout est ok. Voilà, impeccable. Je vais boire un coup. En même temps, j'ai le micro qui va me faire chier. Voilà. Bon bah, toujours mon petit gazouze, hein, évidemment. Bon, voilà, on est sur Xbolos, hein. Évidemment, le chat ne s'affiche pas. Bah, contrairement à la PlayStation, hein, il s'affiche pas sur le côté. Donc, je suis obligé d'avoir le téléphone à côté. L'image n'est pas HD, elle est en mode rétro. C'est ça, mon Halloween. Ouais, voilà, ouais. Bon, de toute façon, le jeu est en pixel art, hein. Voilà. C'est bon, tout est ok. Alors, ah, y'a Alf qui est là. Alors, attendez, je reprends parce que là, j'ai pas beaucoup de. J'ai vraiment un tout petit espace pour vous lire. Salut, moi, Alf. Comment tu vas? Salut, Zorendo. Alors, bah, Jules, l'image écoute, ça va, je trouve. Bon, bah, tout, bah, si vous regardez sur une télé ou sur un PC, ça risque de piquer un peu. Si vous regardez sur une tablette ou un téléphone, ça passera tranquille, hein. Pour de la NES 240p, ça suffit. Bah, en principe, oui. Salut Onimusha. Ça va au niveau du son? Est-ce que vous entendez bien le jeu? Est-ce que la musique du jeu est suffisamment forte? Salut mon Ralph, type au top. Voilà, Bolos qui stream en mode Bolos, ça c'est respect. Les gars, ça faisait longtemps, hein. Ça faisait plus d'un an qu'on n'avait pas streamé depuis la console. Parce qu'en fait, je vous explique, sur Xbox, donc on a l'application Twitch. Voilà, donc avant je passais par l'application Twitch sur Xbox et je pouvais régler tous mes paramètres du stream. Voilà, mettre le 720p, mettre par exemple 1500 en vitesse de upload, tout ça, etc. Donc je pouvais, en fait, pas besoin de brancher la Xbox sur le PC, hein. je pouvais tout faire à partir de l'application Twitch sur la console, donc c'était super pratique. Et ensuite, bah, ils ont fait une mise à jour, et puis Twitch, ils ont dit, bah non, voilà, Twitch, en fait, il est fait uniquement pour regarder des streams. On peut plus streamer à partir de l'application Twitch. Donc du coup, on est obligé de passer par l'application interne de la console pour streamer, mais là les réglages bah, c'est pas comme sur Twitch, c'est pas paramétrable. Ah, le son saccade, alors c'est le son de ma voix ou le son du jeu? Salut Kong, ça saccade les mecs? Alors ouais, ok, on entend bien les bips du buzzer. Ok, alors si ça saccade, ça vient de la console. Ah, la voix les gars. Alors, attends, je regarde s'il n'y a pas une mise à jour. Non, il n'y a pas de mise à jour. Bon bah le PC il est éteint. Voilà, j'ai rallumé le Mac tout à l'heure. Alors, ouais, le son est pas terrible, ouais. Qui c'est qui a Stallone en physique? Là, c'est bon, là, ouais. C'est revenu. Ça risque de faire le yo-yo, les gars. Voilà, on t'entend sans saccade. Voilà. Ça risque de faire le yo-yo, hein. C'est la console qui risque de faire le yo-yo. Là, c'est bon, d'accord. Non, ben là, il est en démat, hein. La voix est revenue. Bon, bah, on va s'y faire, les gars. On va pas avoir trop le choix. Moi je l'avais terminé à Stallone, je l'avais terminé sur PC. Je joue rarement sur PC. Mais le jeu était tellement bon que je l'avais bouffé. Et du coup, bah, je l'ai refait, hein. Enfin, du coup, je l'ai racheté plutôt sur Xbox pour pouvoir y jouer tranquillement dans mon salon. Donc là, voilà, on va démarrer la partie. Parce que là, j'y ai pas touché, hein. Et donc, je l'ai acheté 10 balles. En promo, il a 20 balles et en promo 10 balles. Donc 10 balles, j'ai dit, allez, vas-y, go, j'y vais, quoi. Ça saccade, mais ça passe. Ok, d'accord. Bon, bah on va faire avec, les gars. Voilà, on va lancer le jeu, voir ce que donne l'image. Alors, trop bon ce jeu, je me suis dit que d'avoir perdu sans save, je suis au boss final. Ah merde, dommage. Mais il est bien, hein, franchement, il est excellent.
Alors, voilà, ok, langage, contrôle. Bon, je vais jouer avec, voilà, manette Xbox. La manette Xbox de base de la série. Ah bah voilà, très bien, je peux régler le son ici. Voilà, de manière manuelle. Ouais, bah ça, voilà, effet vidéo. Voilà, ça c'est pixel perfect. Très léger flou. TV classe, voilà. Bon, de toute façon, vous êtes en 480. Je pense que vous verrez pas trop la différence. Je me suis pris aussi pour une poignée de rang des maths. Est-ce qu'il est sorti en physique, les gars? Allez, on va mettre jouer. Voilà, nouvelle partie. Le jeu est en français. Donc c'est un peu style Lost Viking, hein. On va incarner trois personnages. On va pouvoir changer uniquement en feu de camp. Au début, on voit nos personnages, hein, une espèce de petit sorcier, un petit guerrier bleu. Et une petite archère rouge. L'archère, elle est bien, hein. Pour démarrer, elle est bien. Voilà, après, quand on va pouvoir upgrader nos persos, les autres persos vont devenir intéressants au fur et à mesure du jeu. Mais pour démarrer, je conseillerais plutôt le... Ouais, voilà, Q-Lil. Alors, le jeu change carrément dès qu'on débloque le double saut. Oui, voilà, ouais. Parce qu'au début, c'est un peu laborieux à jouer, hein. Mais après, on a le double saut, on a la possibilité de, bah, de changer de personnage comme on veut. Hein, parce qu'au début... voilà, au début... on peut pas, hein, on peut changer uniquement à des feux de camp. Donc l'histoire, en fait, c'est nos trois personnages là qui rentrent dans une tour maudite. Voilà, parce qu'apparemment, il y a un poison qui sort de cette tour, hein, puis qui empoisonne les rivières locales. Donc ils vont s'aventurer dans cette tour, eh bien, pour voir qu'est-ce qui se passe. Salut Jack! Il coûte une blingue sur PS4, ouais. En physique, tu parles? Ouais? Alors. Ok, voyons voir ça, les gars. Est-ce que ça va, l'image? C'est pas trop dégueulasse, les gars? Ça passe? En 480, là. Voilà, le poison vient d'ici. Salut Edelax, salut à tous, hein. Je risque de skipper de quelques-uns de vos messages, parce que là, je vous lis sur le téléphone, j'ai une fenêtre très petite pour vous lire. Ça va, ça passe bien? Bon, bah, c'est cool. Bon, bah, c'est cool, les mecs. Ça fait plaisir. Donc samedi, on va streamer sur YouTube, hein. Je vais passer par le StreamYard. Et on va faire un versus live. On va faire Thunder Force 3 versus Thunder Spirit sur Super Nintendo, les gars, si tout va bien. Alors, ça aura pas tout à fait la même forme, hein. Je vais pas pouvoir mettre les deux gameplays côte à côte comme je fais, mais on va pouvoir les mettre de manière alternée. Mais voilà, ça fera un versus live, on va varier un petit peu. Puis surtout, ça apprendra, je pense, à la plupart d'entre vous, une partie que Thunder Force 3 existe sur Super Nintendo. Il s'appelle Thunder Spirit. Je le connais pas, hein. Moi, sur Super NES, je le connais vraiment quasiment pas. Donc limite, je vais le découvrir avec vous. Puis on va le comparer en live au Thunder Force 3 qu'on connaît bien sur Mega Drive, bien sûr. Voilà, c'est parti là. Alors, Thunder Force 3, Mega Drive, il est chaud, ouais. Salut mon JB, salut Dimitri, ouais. Ah mais il est excellent, hein. Alors, je poussais le micro là. Donc vous voyez, j'ai pris le casque uniquement pour le micro. J'aime pas trop jouer au casque. Ça me sert, ça me chauffe. Ça me casse les couilles. Alors attends, je vais voir si je peux pas. Attends. Attendez les gars. Salut mon Clément. Parce que j'ai une petite table ici. Voilà, si je peux pas poser le téléphone là. Voilà. Voilà. Alors, ça va encore le 3. Par contre, ça, tu dégustes, ouais. Ouais. Ça me casque les couilles, exactement. Bah, Jules, attends, je vais voir même si je peux l'enlever. Voilà, si je le mets là. Toc. Est-ce que vous m'entendez toujours bien, comme ça, les gars? Est-ce que ça va au niveau de ma voix? Alors. Non, pas encore. Pas encore, Dimitri. Le PC, il est HS là. Il sera HS jusqu'à la semaine prochaine. Parce que là, c'est l'Aïd, c'est le Ramadan. Donc, tout est fermé, je peux rien faire. C'est comme l'équivalent de Noël, tu vois. Donc, bah là, je suis baisé. Le technicien, il revient que lundi. Donc, je l'emmènerai lundi au magasin. Et puis, voilà. Alors, le PC GX ne suit plus la cadence des vidéos. Bah, ouais, non, mais bah, il est ultra sollicité, le PC, hein, évidemment. Allez, on va commencer à jouer, les gars. On t'entend? Bon, bah, c'est cool, les gars. Voilà, impeccable. Là, on démarre avec notre petit chevalier, hein, qui a une attaque... attaque au corps à corps. Ah voilà, il y a une échelle, faut la voir. Alors, salut le Zolt, comment tu vas? Alors, inspecter. Voilà, on fait le haut. Appuyez sur A pour sauter. Ouais. Alors, attends, hop, je remets. Maintenant, vous sauterez encore plus haut. Sans deck. Alors, tu lui as tiré sur la gueule le PC. Ouais, ouais, c'est surtout la lime. Hein. C'est la lime qui a pris cher. Alors, clé bleue nécessaire. Ok, très bien. Donc, le début, ça fait un petit peu tuto. Vous hein, voyez, on a notre feu de camp ici. Voilà, donc, alors, sauvegarder. Et en appuyant sur Y, on va pouvoir changer de perso. Regardez vos statistiques de jeu. Très bien. Alors, chevalier pratique pour couper les lianes. Exactement, parce que là, on va voir que au début du jeu, donc chaque personnage va avoir ses propres caractéristiques.
vous ne pouvez accomplir une certaine tâche, ouais. Si vous pouvez pas faire une certaine tâche, tournez-vous vers vos amis. Ouais, non, difficulté normale, Riddick, ça va. Il y a des passages un petit peu chauds, mais non, ça va, grosso modo, ça va. Alors, bah là, oui, par exemple, vous voyez, il y a des lianes. Effectivement, le chevalier, lui, hop, il peut couper les lianes. Voilà, on va aller là. Donc là, le but, hein, ça va être d'ouvrir la porte de la tour. Parce que là, on est dans la grotte qui amène à la tour. Donc il va falloir activer 3 leviers. Alors, vous êtes combien, les gars, là? Parce que c'est marqué que vous êtes 57 sur mon téléphone. Dites-moi combien que vous êtes. Alors, donc là, chemin inverse. Voilà, 57. D'accord, ça marche pour une. 60 là, ça marche. Bon, bah, ça va peut-être monter après. J'avais trouvé au monde 2 un spot pour dropper pas de diamant en mode farm. Ouais, la durée dit, ouais, je l'ai fini à rogue. Ouais, faut compter. Oh, je sais pas, 10-12 heures. 10-12 heures par là. Donc là, vous voyez, j'appuie sur Y, on change direct. Salut Stobart, comment tu vas? Alors, ce mur est trop, il faut être léger pour... voilà, ok, donc là, il faut que je passe avec la petite archère. Donc là, ça veut dire que le petit magicien, bah du coup, sa petite épreuve va être en bas. Voilà. Alors, inspecter, ok. Ces orbes noirs sont étranges, peut-être que la magie peut les atteindre. Voilà, très bien. Voilà. Donc, le magicien, il est bien aussi. Hein. Le problème, c'est que, ouais, il peut pas courir et tirer. 63, c'est cool les gars, ça fait ça. Stream depuis le salon, en mode tranquille. Ça faisait longtemps. Bah là, on n'a pas trop le choix, Marc. Alors, je fais ce jeu sur ta vidéo d'époque, mon DG. Ah bah ouais, bah c'est cool. C'est cool, mon jeu. Tu l'as fait sur quoi, toi? Sur PS4. Donc là, je vais prendre la petite archère. Vous voyez, elle a un tir. Alors, faut être précis, hein. Mais l'archère, elle est bien pour démarrer. Donc, elle a un wall jump. Voilà. Donc, même, vous voyez... Je trouve que c'est un des meilleurs personnages pour commencer, la petite archère. Voilà. Ça m'aidait pas de bien en tout cas. Ouais, voilà, complètement Loïc. Hein. Ouais, ouais, complètement. Il y a une rejouabilité avec d'autres persos quand tu finis. Alors, Azuka, en cours de jeu, on trouve d'autres personnages. Au début, on démarre, on est 3. Voilà, je vais pas t'en dire plus. Mais après, le jeu évolue. Effectivement, on a d'autres personnages. Mais après, non, quand c'est terminé, c'est terminé. Hein. À part éventuellement viser le 100%. Ouais, là, faut plutôt taper avec le chevalier dans ces blocs, là. L'ambiance des premiers streams, on était à 4 clampins, t'as regardé, c'était top. Ah, bah ouais, bah c'était au début, hein. Bah, vous étiez pas 4 au début, quand même, hein. On était plus que ça, hein. On est vite passé à 20-25, hein. Alors. Ouais, il doit y avoir un autre truc à faire, là, je pense. Alors, attends. Parce que là, j'ai activé tous les leviers, normalement. Alors, on va faire sauvegarder, déjà. Voilà, on va reprendre peut-être, ouais, la clé bleue, mais je l'ai pas la clé bleue, on va voir. Salut mon Bruno! Un de mes jeux préférés, bah oui, il est excellent. Ah bah là, oui, je repasse plus. Ah bah si, avec la petite nana, là, mais j'ai pas la clé. Alors, j'ai oublié l'auto-ramassage des bords, ouais. Alors, oui, une vingtaine. Si tu parles des personnages, enfin, moi j'en ai pas vu une vingtaine, hein. Alors, bah évidemment, voilà, hop, attends, voilà, il faut que le messenger casse les couilles. Bon bah là, ça c'est fait, normalement tout est fait. Je vais reprendre la petite archère là. Il doit y avoir un moyen de passer. Donc ouais, il existe en physique les gars, d'accord. Hein. Alors honnêtement, je ne sais plus ce qu'il faut faire là. Sur tes streams Twitch du début, ouais. Ah oui, voilà, ouais, on était vite une vingtaine, hein. Ouais. Ah voilà, faut juste se mettre au milieu. On était à peu près 20 dès le début. Hein. Ce qui était bien, hein, franchement, c'était énorme. Hein. Voilà. Et là, ouais, voilà, c'est un ascenseur, hein, qui nous permettra de... Parce que là, le level design va être assez vertical. Évidemment, donc là, on peut pas l'utiliser. Mais on va pouvoir débloquer, évidemment, d'autres entrées de cet ascenseur. 68, c'est cool, les gars. Non, je suis occupé, là. Voilà. Alors... L'archère, elle est super, vous voyez, au début, ce qu'on peut attaquer les ennemis de loin. Bon, allez, il va me falloir une clé. La musique qui fait ultra fax nadu. Salut mon Benjamin, comment tu vas? 73, c'est cool les mecs, ça fait plaisir. Tiens, la clé, voilà, hop. Voilà, très bien. Donc là, on a un interrupteur, hein. On peut pas l'avoir là. Donc là, attention au pic.
Voilà. Donc là, voilà, j'ai ouvert la porte. Marché sur le petit interrupteur. Cette musique, elle fait trop Faxnadu, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Bon, alors attends. Bougez pas, je vais faire un petit message parce que là. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, ok, je vous reprends sur Twitch. Voilà, tout va bien. Une star même en usine et j'ai... Moi ça me casse les couilles, hein. Tout le téléphone, Messenger, tous les... Mon téléphone j'en ai plus, hein. J'ai droppé le numéro. J'ai fait un transfert d'appel sur, avec le numéro à Nina. Je veux plus qu'on m'appelle. Je déteste quand on m'appelle. Que ce soit sur téléphone, sur Messenger, ou partout, je déteste ça. Je déteste, ça me casse les couilles les mecs. Moi je suis un ermite, hein. Voilà, faire des messages écrits, Messenger, machin, DMP ça va, mais c'est tout, hein. Le reste ça me casse les couilles. Salut Hack. Idem, je déteste ça, ouais. Alors, merde. Voilà, qu'est-ce que... Oh, attends, je sais plus, là. Ça, c'est un checkpoint. Ouais, il faut que je trouve un feu... Voilà, le feu de camp. Voilà, le feu de camp. Bon, je vais garder ma petite archère, elle est cool. Ni Messenger, ni WhatsApp, ni Instagram. Je... Ouais, non, mais... Ouais, bah là, t'es tranquille. T'es tranquille, Sylvain. C'est top. WhatsApp, j'ai pas. Hein. Instagram, j'ai pas non plus. Voilà, comme ça, on est tranquille. Alors, bah là, on va se taper un boss, je crois. Attends. Ouais, voilà. Espèce de chevalier là. Déjà lire dans la JV ça me casse les couilles. Ok alors. Merde je t'écris sur Messenger de... Non mais là ça. Non mais ça va, y'a pas de problème non plus. Je reste joignable. Voilà ok, notre roue est empoisonnée. Voilà, bien je suis malade, machin, très bien. Je sais pas lire, ouais c'est ça. Ok. Alors, chevalier noir, très bien. Je sais plus si on l'affronte tout de suite ou pas, je sais plus. Alors, procédons. Bien mec pris pour restaurer la pureté, restaurer l'équilibre. Ça va la qualité d'image là, ça, le son là, ça. Ça se maintient la qualité les gars à peu près là. Le stream est regardable. Éloignez-vous. Ok. Merde, j'appuie trop vite sur les boutons. Ouais, top. Bon, bah, c'est cool. Un bon stream. Impec, la qualité, c'est regardable. Bon, bah, c'est cool, les gars. Bon, bah, super. C'est cool, impeccable. On est en 480p, mais bon, pour du Astalon, franchement, ça passe. Et pour ça, je me dis, on va faire du... Si je stream depuis la Xbox, on va faire du... Du petit jeu en pixel art, donc, comme ça, puis ça va. Alors. Alors, au début, on a des personnages qui meurent. Et en fait, on va voir que bah, notre petit magicien, il va faire un pacte avec une divinité, une entité maléfique. Il y a une version boîte, a priori, oui, Arty, ouais, ouais, ouais. Ok, alors. Non, c'était que les machins. Voilà, Epiteus, voilà, c'est lui. Souviens-toi de notre pacte, voilà, c'est ça. C'est aussi beau que Starfield. Voilà, donc là, on est mort et on va faire connaissance avec... Voilà, bah, l'entité avec laquelle on a fait un pacte qui va nous ressusciter, en fait. Voilà, très bien. Donc ça fait office de tuto. Et après, la vraie aventure va démarrer. L'exploration, tout ça, etc. Voilà, t'en avais péri dans les méandres de la tour au serpent. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai échoué. Lève-toi, tu retourneras, tu oublies notre pacte. Voilà, machin, blabla. Tu me soumets ton âme, ouais. En échange, ouais, tu me permets, ouais, machin, ok. Allez, go! Merde, je passais le dialogue, là. Alors. Ah oui, c'est là qu'on va pouvoir faire du level up. Voilà, vie plus 1. Voilà, c'est ça. Et là, voyons, on va pouvoir acheter des pouvoirs. Augmente la vitesse d'attaque. La force de ce personnage de 1 point. Voilà, avec le nombre d'orbes. Ah, voilà. Donc, je vais augmenter la petite archère, là. Ouais, je vais faire ça. Ah, j'ai pas assez, là. Ah, c'est 127 qui va. Ah oui, je croyais que je lisais les niveaux en bas là. J'aimerais bien qu'il fasse un 2, ouais. Bah, on va voir. Hein. Est-ce qu'il y aura un 2 ou pas? Vie plus 1, connaissance, voilà. Donc, ça, c'est cool. Donc, c'est le. Bah, quand on va rencontrer cette divinité, c'est là où on va pouvoir monter de niveau en fait. Alors, je suis revenu à la vie, ouais. Mais où sont-ils? Voilà, ok. Les autres sont là, ils arrivent.
Ah franchement là, je vais me le refaire ce week-end, ça va être trop bien. Sinon, en parallèle, là, j'ai lancé le Bob l'éponge, qui est arrivé dans le Game Pass. Franchement, il est cool, hein. Franchement, il est rigolo, Bob l'éponge, hein. Super beau, hein, super bien réalisé, franchement, c'est cool, hein. Alors, ouais, voilà, j'ai eu l'archère dès que j'ai monté la vitesse de tir, double tir à bataille. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, 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 ouais. Ouais, non, mais l'archère, elle est bien, ouais. Pour démarrer, elle est bien. Moi, je vous conseille, le personnage à monter en niveau au début, c'est elle. Voilà, la petite archère. Après, les autres sont intéressants. Hein. Le magicien, il peut devenir assez puissant. Hein. Également. Dès qu'on l'a bien boosté. Salut Rio. Après, pas simple de tout faire à 100%. Ah non, carrément pas. Je sais plus si je l'ai fait à 100%. Mais il me semble que oui. Je crois que oui, je l'ai fait à 100%. Mais ça prend du temps, hein. C'est chaud. Hein. Alors, faut faire la suite Cosmic Shake. C'est la suite, ça? Il y a une suite à Stallone, Cosmic Shake? Je connais pas. Alors, là, vous voyez, il y a des blocs, là. Et alors, on va pouvoir les casser. Et alors, ça m'a saoulé. Ça, c'est un des trucs qui m'a saoulé dans le jeu. Parce que, on va pouvoir les casser, mais dans très longtemps dans le jeu, quoi. Avec un personnage... en fait, un personnage qui fait très Castlevania. Voilà, avec son fouet. On va pouvoir le casser. Alors, ça, les blocs, on peut les casser aussi, ça. Voilà. Ouais, ça donne plein d'orbes là. Je me suis pris Virtua Fighter 2 Mega Drive, je le voulais depuis un moment, mais tu m'as décidé. Ah, ok. Review à venir, les gars. Hein. Salut Nana, comment tu vas? Alors. Ouais, suite à Bob l'éponge, d'accord, oui, d'accord. Le souci que je vais, c'est sa portée, exactement, ouais. Au début, c'est un peu compliqué la portée. Voilà. Alors, voilà, toc. Sauvegarder, se reposer. Est-ce que là, c'est là qu'on peut faire du level up? Je sais plus. Là. Voilà, là, ils parlent ensemble. Il y a un terrible d'un son. Voilà, attends, vous aussi. Voilà, ok. Ouais, bah là, ils se souviennent qu'ils sont morts, mais ils ont un doute quand même. Parce qu'en fait, il n'y a que le petit magicien, là, Algus, là, qui a fait le pacte. Hein. Le pacte avec le sorcier. Alors, les orbes, voilà, tu as reçu 50 orbes. Ah, c'est cool, ça. Alors, t'as des refs à coffre, ouais. Allez, très bien, procédons. Donc là, normalement, voilà, il n'y aura plus le... Il n'y a plus le chevalier. On peut passer. Salut, Ludo. Comment tu vas? Bon, alors, par contre, ce qui est chiant avec l'archère, hein, c'est pour viser. Là, de mémoire, il y a un passage secret à gauche. Genre, on va aller voir. Alors, on va essayer de tuer un max d'ennemis, hein, pour... récupérer un paquet d'orbes. Ouais, et l'archère. L'archère, franchement, elle fait du dégât. Hein. Ah, la musique, c'est Faxnadu, les mecs, c'est un truc de fou. Hein. Alors, je crois qu'ici. Attends. Voilà, tiens, regardez, les gars. Regardez-moi ça, les gars. Alors, il y a un item en boche, puisque c'est. Voilà. Donc, c'est pas évident de viser avec elle. Et ça, c'est un raccourci, certainement, qui emmène à une autre zone. Ah, c'est à droite. Ouais, ah, merde. J'ai dit à gauche, non, c'était à droite. Hein. Ouais, bah là, je vais pas passer. Ouais, voilà, ok, on passe pas. Bon, bah, c'est pas grave. Parce qu'à mon avis, ouais, je dois pouvoir trouver un moyen d'activer les blocs. Mais bon, comme ça, ça vous montre qu'il y a un passage secret ici. Ça a l'air trop bien, ça, mais il déchire, Nana. Bah, franchement, il est excellent. Hein. C'est un des meilleurs Metroidvania modernes. Hein. Et la concurrence est rude, hein, en Metroidvania. Pas besoin de vous le rappeler, les gars. Alors, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a le Hollow Knight, le Sing-Song, qui va pas tarder à sortir, a priori, hein, ça y est. Hein. Il fait parler de lui, ça y est, là. Ah, ça y est, j'ai une clé, là. Ah bah tiens, clé bleue, là. Regardez, les gars. Du coup, voilà, je peux aller au passage secret, on va retourner. Alors, les ennemis repopent, hein. Vous voyez qu'on sort de la salle. Voilà, ça montre en bas, hein, le nombre de clés que j'ai. Donc ça, c'est cool. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ben, c'est pas un truc pour faire un level up. Voilà, inspecter. Vérifiant statut. Je vais te mal, nous ne devons pas rester ici. Alors, sonde votre âme et ses yeux morts. Je sais pas, je me demande s'il faut pas revenir avec le...
le petit magicien. Toujours pas fait le premier Hollow Knight, encore sous blister. Eh, vas-y, œil de lynx, il est énorme. Il est exceptionnel. J'ai découvert Gun Deck sur NES. Tu connais mon pote Gun Deck? Merde. Gun Deck, attends, c'est pas Gunak plutôt? Gunak, je connais. Gun Deck, ça me dit rien. Giro. Après, voilà, je connais pas tout. Hein. Je sais même plus où ça va m'emmener cette zone. Parce que là, on voit bien que normalement, je suis pas trop censé être là. Merde. J'ai plus de PV en plus, regardez là. Ouais, attends, si j'arrive à le toucher là. Voilà, j'arrive à le toucher quand même. Ok, très bien. Alors, procédons. Alors, ouais, non. Attends. Ouais, Stobart, ouais. Alors. Ouais, t'as mis un message trop grand. Gunak, voilà, Gunak, c'est Gunak, ouais. Ok. Alors. Est-ce qu'il va... Attends, est-ce qu'il va s'en aller, le boss, là? Ouais, ok. À la limite, j'attends qu'il se barre. Ah, merde! J'ai pas vu le truc en haut, là. Bon, c'est pas grave. Alors là, on va pouvoir lever le, je pense. T'as pas encore tenu ta promesse, tu y retourneras. Ok, désire plus autre chose. Voilà, ok, alors. Vie plus 1. Alors attends, j'ai combien d'orbes? 137. Augmente la force de ce personnage de 1. Ouais, on va faire ça, allez. Voilà, très bien. Et du coup, j'achèterai le reste après, plus tard. Ok. C'est bizarre, il m'a pas remis au feu de camp, là. Normalement, il nous remet au feu de camp. Alors, procédons, les gars. En tout cas, ça fait super plaise. Regardez, là, voilà, au lieu de taper à 12, je tape à 13. Ça fait super plaise de se relancer ce petit Astalon. Allez, on va peut-être ignorer le passage secret, puis jouer, prendre le chemin normal. Alors. Voilà, c'est bon, je suis accroché, là. Très bien. Voilà, nickel. Alors, bah du coup, on va faire, hop, sauvegarder. Très bien. Bah, se reposer, c'est pas la peine, parce que je suis full. Nickel. Toshinden, ouais. Putain, ça fait des milliards d'années, j'ai pas joué à Toshinden. Ma mère m'a envoyé les colis, hein, c'est bon, hein. Normalement, j'ai tout le reste de ma collègue PS1 dedans. Dont Toshinden. Ah, la musique, ça fait trop fa que ça dure, ça c'est clair. Donc on pourra se refaire des streams PS1 là quand le PC va être réparé, les gars. Parce que j'ai tout le reste de ma collègue PS1. Toshinden 1, surtout le 1 et 4, ouais. Alors moi j'ai joué que au 1. Les autres j'y ai pas joué. Voilà, alors, la clé bleue, du coup je l'ai sacrifiée pour le passage secret. Alors inspecter. Il est dit que l'âme des vivants, hein, machin, ouais, ok, voilà, ok. Donc ça c'est pareil, je crois que cette bague on l'obtient plus tard dans le jeu. Alors tous les jeux, PAL sur MD Switch passent en 60 Hz. Non, pas tous. Il y en a qui fonctionnent pas, Udonax. Tu vois, Story of Thor. Story of Thor et Comic Zone, ils passeront pas, ils resteront en 50. Bah Riddick, moi je l'ai payé 10 balles. 10 balles en promo, le Astalon. En démat, hein, bien sûr. Parce que sinon, il coûte 20 balles. Le prix de base, c'est 20 balles. Voilà, donc là, faut savoir, hein, qu'on peut passer à travers le pilier. Il y aura une petite énigme. Alors. Normalement, ça, c'est des points... Enfin, tu reprends ici, quoi. AMD et tout, ouais. Bah le promotectoire il tourne en 60 aussi, hein. Allez, on va ramasser sa petite carte, je crois ça. Carte de Linus, voilà, très bien. Elderan que j'ai trouvé pas mal aussi dans le genre, ouais. Ah, celui-là, ça me dit rien, ouais. Alors la carte, vous voyez la carte là, ça c'est la première zone. Et donc les zones sont symbolisées par les couleurs, hein. Après les couleurs changent quand on change de zone. Bah là j'ai pas la clé, voilà, clé blanche nécessaire, ok. Bah ouais, la musique c'est trop fax à du, les mecs là.
on va dégommer les ennemis, essayer de récupérer un maximum d'orbes pour faire du level up. Parce qu'au début du jeu, hein, c'est voilà, il faut farmer un peu. Ah bah regardez là, c'est festoche d'orbes les gars là. Voilà, on va tout ramasser. Hop, très bien. Je suis à 75 orbes, putain, ça monte pas vite. Hein. Salut Nigel. Salut Akned, comment tu vas? Là on va aller à droite là. Ouais, ici, attends. Normalement, c'est trop, ouais. C'est trop, je peux pas rebondir. C'est trop d'un bloc là. Salut Yann, comment tu vas? Ouais, je vais me faire toucher là, je suis obligé. Avec les monstres. Alors, tiens, clé blanche là-haut. Voilà, très bien. Alors là, il y a une autre porte là-bas, je ne sais même plus ce que c'est. On va aller chercher la clé, bien sûr. Il est vraiment excellent. Le gameplay est bon, hein, la jouabilité, ça répond bien. Il n'y a pas de souci. Alors attends, bouge pas. Cyberpunk là. Hop. Ah, une, je me suis mis à Cyberpunk à cause de moi et je suis pris par ce putain de jeu PS4 Pro. Ça va, ça tourne bien. Ah bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir, œil de lynx. Voilà, si tu passes un bon moment. Vous voyez, bon, bah là, on passe que avec l'archer, hein, les autres persos. On peut pas rebondir sur le mur. Alors, écoute, bien content d'avoir un jour off en semaine pour capter un de tes lives. Alors, j'avais d'ailleurs testé ce jeu durant tes conseils. Alors, ouais, voilà, faut que je le reprenne. Je suis pas allé loin. D'accord, ouais, ça marche, Akned. Alors. C'est donc les gars. Voilà, évidemment. Est-ce que je peux ouvrir ce truc? Non, on peut pas. Œil de gorgon nécessaire, très bien. Voilà, les ennemis sont bien timés. Bon bah on va retourner là-bas, ouvrir la porte blanche du coup. Oula. Peut-être redescendre au. Ouais, le feu de camp. Bah non, le feu de camp était trop loin. Enfin, il est un peu loin, donc on va pas y aller. Alors, rien à dire, à part deux fois ou deux, sauvegarde, ça a planté, ouais. Il est à... Mais par contre, il est en 30 FPS, je suppose, sur PS4 Pro, là. Alors, viens, Shabax. Et viens, Shabax. Hein? Viens, Shabax. Il évolue niveau ambiance, ensuite, ça arrête dans les couleurs froides. Ah non, ça évolue, hein. Non, ça évolue avec Ned, hein. Après, on va changer d'équivalent de... On va changer de monde, hein, en gros, les graphismes vont évoluer et tout. Non, le jeu change. Hein. Ça reste une tour, hein, mais il y a plusieurs endroits, hein, quand même. Hein. Voilà, on va ignorer les ennemis, là. Et on va le dégommer, il est sur la route. Voilà. PS4, bug de save sur PS4, ouais. Alors, salut Olive, comment tu vas? On dirait du Castlevania 3. Ouais, c'est pas faux, Nana. Hein. C'est vrai qu'il y a un air de Castlevania 3, effectivement. Alors, Cyberpunk, je pense que oui, de toute façon, il vaut mieux. Tiens, il y a un autre passage secret là. Hop, regardez. Cyberpunk, je pense qu'il vaut mieux avoir une console next-gen. Hein. Alors, voilà. Cœur de Gorgon, tiens, ok. Oula. Alors, attends, est-ce que je peux débloquer? Ah, bah voilà, regardez là. J'arrive ici, les gars. Hop, vous voyez? Hop, je débloque. Ça débloque un petit raccourci là. Ça, c'est cool. Ouais, là, je vais pas le toucher d'ici. C'est pas grave. Alors, on va aller voir ce qu'il y a là. Vous voyez, hein, quand. Déjà, dès le début du jeu. Ah oui, je passe pas là. Il y a une espèce de petit cimetière là. Dès le début du jeu, il y a quand même. Il y a des petits choix de chemin là. Des petits passages secrets. Si on fait attention. Voilà, je dose là pour éviter les crânes. Alors, Dimitri. Ah oui, la Super NES, Dimitri. Ouais, putain. Ah oh, putain, ouais, fou. Ouais, ben là, tu vois, cette semaine avec mon PCHS, là, j'ai. J'étais pas trop dans le mood. Donc, je vais y penser, hein, t'inquiète. Ok, ça c'est fait. Voilà, lui, je l'ai tué. Alors, à un moment, faut faire attention, vous voyez, il y a les petites têtes, là, sur les poteaux, là. Vous
voyez, il y a des petits crânes là. Et puis ça, il y aura une énigme à résoudre avec ça, parce qu'il y en a qui ont les yeux qui bougent. Il me semble. Voilà, clé bleue, je l'ai pas. Aston, il y a 21 de base, c'est pas donné, ouais, ouais. Mais là, je lui ai 10 balles. Hein. Ouais, t'inquiète, hein, Dimitri, mais c'est pareil, j'ai tellement de trucs à faire. Faut déjà que je regarde s'il m'en reste, tu vois. Alors lui, le monstre là. Voilà, ok, c'est bon. Voilà, très bien. C'est la galère, le PC, pour un streamer, faut pas perdre le rythme, ouais. Bah, puis là, j'ai tenté sur mon Mac tout à l'heure, là. Parce que sur mon Mac, j'ai une machine virtuelle. J'ai un Windows 7 d'installer dessus. Mais bon, le Mac, c'est un disque dur normal, que j'ai pas un SSD, quoi. Donc c'est très, très compliqué, hein. J'ai testé d'installer OBS ou Streamlab. C'est pas la peine, les gars. Très compliqué. Alors. Tiens, on va activer. Voilà ça. Ah oui, mais attends. Ouais, ok. Vous voyez là? Parce que ça, c'est fait pour ouvrir la porte là. Mais bon, on s'en fout parce que j'ai déjà le. J'ai déjà l'item. Voilà, bah c'est ouvert. Du coup, on s'en fout. Je vais aller voir par là. Bon, bah lui, c'est fait. Alors, OBS directement, macOS. Ouais, il faut un vieux OBS, ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh, mais le mien, il est trop vieux. Hein. Le mien, c'est mort. 27 en virtuel, doit pas être facile, ça tourne bien, ouais. Ouais, ouais, non, c'est vieux. Hein. C'est vieux, puis j'ai essayé de mettre un Windows 10 et ça veut pas. Ça veut pas, c'est. Bah, ouais, il est trop vieux, hein. Mon Mac, il est de 2011, hein. Voilà, tiens, passage secret ici aussi. Ah oui, les petits blocs, ils servent à... Ici, ouais, ça sert à farmer, du... voilà. Voilà, ça sert... Bah ça, c'est mieux avec le chevalier, ça. Voilà, c'est plus pratique, ça, avec le chevalier. Parce que là, avec l'archère, c'est pas top, ça. 80, c'est cool. Ouais, bah oui, non, voilà, c'est... Ouais, non, mais carrément, c'est déjà bien de pouvoir streamer sans, hein. Ouais, ouais. Bon, puis là, bah, lundi matin, la première heure, hein, je vais l'emmener à... Je vais l'emmener au magasin pour réparer. Donc si c'est bien, si c'est bel et bien juste l'alimentation qui a un problème, bon normalement, enfin dans la journée il sera réparé quoi. Voilà donc lundi soir je sais pas qu'est-ce qu'on va faire comme stream. Et dans quel état, j'en sais rien. Mais voilà, j'espère, je croise les doigts pour que bah, lundi je puisse récupérer le PC. Et puis que surtout je puisse exporter la vidéo sur laquelle j'étais en train de travailler. Sauvegarder, alors attends, changer. Ouais, tiens, on va prendre le petit... Allez, le petit magicien, changer un peu, là. Déjà, tu perds pas des heures de stream pour tes stats, c'est cool, ouais. Ouais, 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 voilà, Olive, hein, ça permet d'être toujours en ligne, hein. Donc ça, c'est cool. Un stream sur le premier God of War. Tu parles sur PS2, hein. Parce que là, il y a le God of War PS4 qui arrive, là. Il y a la Mikada, il me l'a offert. Ma mère, elle l'a mis dans le colis. Alors... Voilà, là, il a une bonne cadence de tir, hein, le magicien. Mais il tape moins fort, hein. Il tape un peu moins fort. Ah, ben là, ouais, il faut le chevalier, là. Il faut le chevalier, là, il faut l'archère, là. Alors, attends, du coup, je vais rechanger. C'est bizarre que je puisse pas me reposer, là. Sur un pull, là. PS2, ouais, on pourra avoir ça, ouais. Alors, ça doit être une vidéo vraiment puissante pour faire cramer une alime. Eh, c'est le versus de Batman Forever, Game Boy, Game Gear, hein. Donc, vous voyez, les mecs... Voilà, faut y aller, hein. Faut y... Non, non, mais c'est voilà, c'est pas venu comme ça. Hein. J'ai eu des signes avant, hein. Voilà, qui me faisaient dire que le PC, voilà, il s'éteignait tout seul, il s'allumait tout seul. Au début, je pensais que c'était un virus. J'avais cru à un virus, puis en fait, a priori, non. Hein. Même un, voilà, dans les préférences système de Windows, c'est-à-dire démarrage automatique, ça, j'ai tout reconfiguré. Mais même avec ça, il a continué de le faire. Alors là, je vais... Voilà, on va essayer de faire ça. Voilà, attends. Normalement, je pense que ça passe, là. Putain. Je pense qu'avec la petite, là... Non, voilà. Non, c'est avec l'échelle, là-haut. Non, ça passe pas. Ah, putain, ça passe pas. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre... Tiens, on va prendre le guerrier, là. On va aller couper la liane. C'est peut-être aussi un faux contact des fils qu'un bouton power. Hein, se ouais, peut-être, hein. Peut-être, JB. Hein. Ouais, ouais, peut-être. Peut-être, hein. Alors. Procédons, les gars. Alors. Cool, tu feras au moins un heureux. Alors. Allez.
lianes là. Vous voyez, les lianes sont bleues, hein. Ce qui est bien comme ça, c'est associé à... Alors, ce rassemble va du sang. Mais ça risque de me gêner pour avancer. Ouais, voilà, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans, je sais plus. Ouais, c'est bon, je peux sauter là. Voilà, très bien. Alors, lui, il va me faire chier. Non, c'est bon, ouais, ça va. Je pensais qu'il m'aurait rushé, mais non, c'est bon. Donc. Alors, attends, est-ce que on peut sauter d'ici? Ouais, c'est bon. Ok. Ah, bah, ok, j'ai débloqué un petit raccourci. J'ai plus beaucoup de vie là. Je vais reprendre le magicien. Alors, salut mon Fredo! Comment tu vas mon Fredo? Tu l'as fini mon Fredo? Le Astalon, il est exceptionnel. Hein. En parlant de Blazing Chrome, qui a fait Moonrider. Ah, je l'avais fait Moonrider, on l'a fait sur YouTube, Azuka. Je l'avais terminé même, je crois, dans le stream. Ouais, il est cool, hein, Moonrider, il est cool. Hein. J'ai plus beaucoup d'HP, c'est bizarre, j'avais pas l'option pour marquer se reposer là. Alors, tiens, une clé ici, là. Faut voir. Ouais, on peut aller la chercher. Faut voir. Ouais, je pense qu'on va aller la chercher. Allez, on va faire ça. Merde. Alors, Astalon, ça fait le café gras. Mais oui, il est excellent. Il est énorme, Astalon. Alors. Ah, merde, il faut l'archer. Il faut l'archer pour rebondir sur le mur. Ok. Donc, c'est le début du jeu est laborieux, hein. Vous voyez, le début du jeu, il est laborieux à faire, hein, c'est laborieux à jouer. Mais après, on chope des pouvoirs. Et ça devient plus cool, les gars. Ouais, c'est un Metroidvania, va des rétro gamers. Mais franchement, il est cool. Hein. C'est vraiment, on est vraiment dans le haut du panier, là. On a vraiment une super bonne vibe, NES. Hein. Limite, si Faxnadu avait été un Metroidvania, ça aurait pu être un Stallone. Hein. Avec bah, le petit concept un peu comme Losviki, hein. Salut Chrono Trigger. Mais il est excellent. Ah, il est excellent, ce Astalon là. Ça existe partout, les gars, hein. Xbox, PlayStation, Switch. Voilà, toutes les consoles. Hein. Ok, donc là, je passe pas, c'est fait. Bon, lui, on va l'ignorer. Ok. Non, non, il est génial, hein. Nana, il est génial. Alors, qu'est-ce qu'il va dire ici? Certains interrupteurs sont invisibles. Si le coin d'une chambre sont suspects. Ouais, vous avez mais faites attention aux pièges. D'accord, bon bah là. Ah voilà, ok. Ah bah regardez là, c'est festival d'orbes là. Alors. Ok, très bien. Voilà, je vais pas tarder à mourir. Limite, je vais faire exprès, tiens. Voilà, je vais faire exprès. Comme ça, on va pouvoir regrader les persos. Je vais voir où c'est qu'il me remet aussi, là. Parce que normalement, j'ai fait sauvegarder au feu de camp, donc on va reprendre au feu de camp récent. Alors, Olive, c'est au printemps que tu chopes la crève, mon DG. Oh, je suis rarement malade, moi. Metroidvania, un style de jeu tellement sous-exploité. Grave. Alors, attends. Chercheur d'orbes, massif cartographe. Chercheur d'orbes. Je crois que c'est comme une sorte d'aimant, ça. Connaissance. Ouais, vie. Ouais, on va prendre vie, allez. Ça coûte pas cher. Voilà, HP max, ok. Donc, la fille. Ouais, la défense. La vitesse d'attaque, ouais, ok. Viser le point faible d'un monstre. Ah oui, c'est ses coups critiques, ça. Voilà, lui. Ouais, y a pas assez, là. Ouais, allez, on va augmenter le magicien. Là, je vais faire... alors, attends. Cartographe. Allez, on va faire... Ouais. Vous verrez désormais les portes verrouillées sur votre carte après les avoir trouvées. Ah bah, ça, c'est cool. Et on va acheter connaissance, tiens. Allez. Vous obtenez... Ouais, quand même, la description des objets est plus détaillée. Très bien. Alors. Vie 2. Bon, bah, allez. Voilà, ça va. On a fait un bon level up, les gars. Ok, alors où c'est que je vais me remettre là? Est-ce qu'il... Putain, mais pourquoi il me remet là? Je comprends pas pourquoi il me remet là, franchement. Alors, par contre, j'ai les clés. Ouais, j'ai la clé blanche là. Tiens, on va retourner au passage secret, tiens.
va retourner, on va... Parce que là, du coup, je peux repasser en haut, là, j'ai débloqué le truc. Mais c'est bizarre, parce que normalement, à moins que... Attends. À moins que quand on meurt, il nous remet toujours au début de la tour, je sais. Puis après, on peut... après, on peut se téléporter d'un fond à l'autre. Honnêtement, je sais plus. Tu reprends toujours les buts, après l'ascenseur qu'on pense à... Ouais, voilà, c'est ça, ok. Je m'en souvenais plus, hein. Voilà, merci Julien. Ok, donc c'est cool. Alors voilà, le feu de camp ici. Voilà, sauvegarder. Ouais, bah je vais garder la petite archère. Ou alors, ouah non, allez. Ouah si. Parce que voilà, si je dois rebondir sur des murs. Les Metroidvania dans le haut du panier sont pas si fréquents. Non, carrément, mais là pour moi il est dans le haut du panier. Hein. J'avais fait une vidéo, hein, les meilleurs Metroidvania selon moi. Et il était dedans, hein. Voilà, il était dedans, les gars. Hein. J'en avais mis 4, hein. il y avait lui, il y avait Hollow Knight, bien sûr. Hein. Axiom Verge, ouais, je l'ai pas mis, j'ai oublié, hein. J'aurais pu le mettre. Il y avait le Wonder Boy, hein, le dernier, Monster Boy, là. First Kingdom, excellent celui-là aussi. Hein. Goonies 2, ouais, Goonies 2, alors, Goonies 2, c'est, ouais, c'est un des premiers Metroidvania. Hein. Il y a un concept de carte et tout, hein, c'est vrai. Merde, je me suis fait toucher bêtement, là. Alors, moi, je sais plus ce que c'est que ces trucs là-bas, là. Ces fragments-là. Ok. Il y a un peu de décalage, t'as vu, ouais, ça crachote un peu. Ouais, peut-être Bruno, hein. Ça vient du... Ça vient d'Xbox. Parce que là, je stream depuis la Xbox, les gars. Là, je le rappelle. La qualité sera moins bien que d'habitude. Mais bon, bah, on fait avec. On fait avec les moyens du bord. Alors... Ouais, en bas, il y avait le boss du cyclope, là. Merde! Allez, lui, on va l'ignorer. Ouais, allez, je vais aller faire le cyclope, vite fait, là. Voilà, ok. Voilà, c'est bon, parce que là, on a vu que... Là, les dégâts critiques... Là, avec l'archère, les gars, ça pardonne pas, hein. Ok. Et là, je ne passe pas. Putain, je passe pas, bordel. Ok, donc c'est une impasse, là. Alors... Procédons. Bah du coup on va aller voir ce qu'il y a à gauche, les gars. Hop. Voilà, on va faire ça, voilà. Voir la carte là. Voilà, ok. Ouais c'est bien, vous voyez, ça indique les cristaux. Ah bah ça indique quand il y a des clés. Regardez là. Ah non, ça doit être les portes. Attends, faut voir les portes là. Ouais, ça doit être les portes verrouillées, les gars. Là. Vous voyez les clés de couleur là. Ouais, puis il y a un crâne pour le boss. Regardez là-haut là. Voilà là-haut là. Ouais, ah bah on voit les boss, vous voyez là. Ok. Il y a une partie sous-sol aussi, hein. De cette tour. Ouais, ça c'est fait. Voilà, je vais collecter des petites orbes. Ouais, salut Star Fox. Ouais, il est long d'un œuf, je sais pas, du 12 heures. Après, si tu veux faire le 100%, ça prendra plus de temps, évidemment. Voilà, ok, allez, hop. Bon, allez, on va ignorer le squelette. Alors, les cases rouges, c'est les feux de camp et sur la carte de mémoire. Ah, ouais, ouais, tu dois avoir raison, ouais, mon Julien, ouais. Il y a un boss plus bas, là, on voit, là. Alors, c'est bizarre, je m'en souviens plus du tout de cette zone, là. C'est un truc de fou. Ouais, et puis là, ouais, je suis trop court pour... Bon, allez, on va l'ignorer, lui. Oh, putain, je passe pas, là. Allez. Ouais c'est bon, ça a ouvert la porte. Tout va bien. Là donc ouais, on n'est pas trop censé être là. Vous voyez, j'ai ma flèche qui est passée à travers. Il y a un passage secret là. Œil de gorgon rouge. Ah nécessaire, ah merde. Il faut l'œil là. Ouais c'est le cœur que j'ai hein. Ok. Là, je m'aventure super loin là. Ok, j'ai ouvert en bas là. Voilà, bah, trois blocs pour trois portes. Voilà, ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, feu de camp. Tiens, on va changer. Voilà, on va aller faire les blocs avec le chevalier. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Yes.
Allez, on va prendre le petit magicien, tiens. Est-ce que j'ai... Attends, j'ai le truc reposé, là. Non, je l'ai pas, là. Alors, procédons. Voilà, c'est bon, on va pouvoir passer. Regardez le pixel art, là. Ah ouais, c'est le boss du serpent, là. Attends. Ouais, ouais, je me souviens de ce boss, là. S'il va être après, là, je me souviens plus. Ah, la musique. Vous entendez la musique, les gars? Franchement, elle est cool, hein. Il y a vraiment des bonnes X, ce jeu, hein. Il y a des éclats partout, là. Et là, vous voyez, il a une portée assez faible, là, le magicien. Alors, attends, mais il faut que je reprenne le reste des orbes. Yes. Donc, j'ai une clé blanche en stock. Ok, alors. Voilà. Non, voilà, je passe pas. Ok. Bon, bah là, ça va être demi-tour. Demi-tour, voire même game over, hein, parce que ça va faire un peu long pour revenir. Voilà. Vas-y, je vais crever, voilà. On va faire exprès de crever. Alors, on a perdu X, mais on a gagné un plafond. Hein. Ah merde! Qu'est-ce qui s'est passé avec la caméra, là? Voilà, effectivement. Ah bah, c'est le chat! C'est ce con, là, il a tiré sur le fil! Voilà, ok. Merci, Guibouche. Ok, bon, on va faire du level up. Tu reprends de la vie dans le son, normalement, ouais. Ah, je me souviens plus de ça. Voilà, hop. Alors, chercheur d'hommes, invincibilité, feu intérieur, je sais plus ce que ça fait, ça. Bougie. Je sais plus ce que ça fait, ça. Cette tour est très sombre. Ok, allez, bougie régénérée, ok. Porte de mort, voilà, connaissance, ça c'est fait. Alors, vie 3. Vitesse d'attaque, ouais, j'ai plus assez là. La force est complète là. On va reprendre de la vie. Voilà, bah pareil, vie 4. Ouais, on va se mettre plus de life, allez. Voilà, allez, go. Harry of Sorrow, excellent. Bah oui, oui. Il y a le poster, oui, il y a le poster ici. Bah mon Fredo, hein, c'est le poster gameplay RPG, hein. Alors, ça va, les chats niquent pas trop les affaires? Ah bah si, les chats, si, si. Les chats, ça fait toujours du dégât, hein, évidemment. Ok, bon, du coup, on va reprendre l'autre chemin en haut à gauche. Voilà, on va essayer de suivre par là-haut, là. Ok, on est parti. Mais le début du jeu est laborieux, hein. Voilà, après, c'est vrai qu'on a le double saut, puis la faculté de pouvoir switcher de perso. Bah, du coup, quand on veut, ça devient quand même beaucoup plus agréable à jouer, hein. Ouais, ça va, il fait assez de dégâts. Alors, tu t'es fait 4 swats. Bah, c'est ça. Alors, les posters viennent du magazine Roleplaying Game. C'est Gameplay RPG. Gameplay RPG, ça vient. J'en ai pas beaucoup des Gameplay RPG, peut-être un ou deux. Voilà, la petite phase. Ouais, deux cimetières, là, c'est bon, on a ouvert la porte. Ouais, ça va plus vite, hein, pour déblayer les ennemis, là. Quelques petits magiciens. Ouais, alors, par contre, c'est vrai que le wall jump, il manque, hein. Surtout en stream, pas simple de rester concentré, absolument, ouais. Ouais, jouer et lire le chat en même temps, c'est pas évident. Ok, alors, oh merde, j'ai mal timé, là. Bah voilà, ça va plus vite, hein. Ok, très bien. Sauvegarder. Bon, on va garder le petit magicien, il est bien. Voilà, alors, où c'est que j'ai pas été, là? Ok. Ouais. Fais voir, là, clé blanche, là. Ouais, ok. Alors. T'as hâte encore un peu sur MDDG, plus du tout. Ah, j'ai pas compris, œil de lynx, là. J'ai pas compris ton message là. C'est pas Slap and Beats. Ah bah non, ça n'a rien à voir avec Slap and Beats là. Ok, voilà, donc on va passer par le haut. Voilà, on va passer par là. Ouais, ok. Alors le son, est-ce que ça remet de la vie? Non. Non, ça remet pas de vie, tu vois. C'est ce qui me semblait. Ça, juste ça te ralentit en fait. Ok, et là ça va ouvrir en bas en principe. Voilà, c'est bon. Très bien.
Alors, ah, si j'achète des jeux Mega Drive encore, ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté là. Bah, après, c'est vrai qu'il. Je suis bien blindé, hein. En Mega Drive, quand même, je suis bien blindé globalement. Bon, bah là. Hop, j'ai ouvert la petite, le petit passage en bas. Faut que je change de perso là, voilà, faut que je prenne l'archer. Voilà, pour son double saut. Sauvegarder. Hop, voilà. Alors attends. Voilà ce que j'étais en train de vous lire, les gars. Ah, c'est plus loin avec l'archer, mais au moins on est safe. À droite. Ouais, ok, c'est une impasse. Voilà. Putain, mais qu'est-ce que. Franchement, mais la magie du jeu. Les musiques, les graphismes et tout. Franchement, je suis à fond dedans. Je vais essayer de le niquer, lui. Voilà, c'est bon. Hop, très bien. Alors, merde! Ah, je me suis fait piéger, là. Oui, c'est un crâne, là-dedans. Oh, putain, c'est relou. C'est relou, les gars, regardez, là. Faut que je refasse le tour encore, là. Ah, je vais mourir, là. Un bloc cassé là. Bah du coup tiens on va reprendre le. Ouais. On va aller rechercher le petit magicien, allez. Voilà, ok. Ouais c'est bizarre, je me souviens plus l'option se reposer. Ou alors faut un item pour ça, je sais plus. Je me souviens plus. Ok, procédons les gars. Voilà, pour vous en montrer un peu plus de cet Astalon. Le but c'est de vous donner envie, hein. Mais la limite, le début du jeu, c'est vraiment la partie la moins bonne. Hein. Plus on avance dans le jeu, plus on devient fort, plus l'exploration devient agréable. Enfin, le jeu se bonifie. Hein. Parce qu'il y a des jeux où ça part bien, puis après ça fait ouais ça part un peu en sucette au fur et à mesure. Mais là non, hein, c'est pas le cas. Hein, au contraire, hein. Plus on avance et meilleur ça devient. Tiens, un passage secret ici aussi. Ah, le derge du démon. Respectez. Chercher un feu de camp, parfois une bougie vous montrera le chemin. Alors la bougie phare. Ouais, actif, ouais, ok. Select, ouais, machin. Je sais même plus à quoi servent les bougies. Me manque 3 trophées, peut-être j'ai envie de le relancer. Bah essaye, hein. Essaye, moi, Zuka. Hein. Je sais plus si j'avais eu. Ah bah non, j'ai joué sur PC, donc j'ai pas fait les succès. Tiens, ouais, il y a des serpents là-dedans, là. Voilà, là, il y a un passage secret derrière. Clé bleue. Ah, c'est excellent. Regardez, j'ai gagné une clé bleue, les gars. Ah, bah, j'ai une clé blanche. C'est cool. Ah, il va y avoir un boss ici, il me semble. Ouais, le bloc, il faut un personnage pour le bouger. Alors, je vais prendre l'archer. Parce que de mémoire, il y a un boss, là. Alors, il y a un truc avec les yeux rouges. Oui, au début du jeu, il y a une petite énigme. Ah, l'ascenseur. Voilà les gars, regardez là. Nickel. Voilà, donc j'ai débloqué l'ascenseur. Donc voilà, si je mourus, je vais reprendre ici, je pense. Oui, là le. Voilà, c'est le premier boss là, voilà, je m'en souviens. Ouais, ouais, voilà, ouais. Il va y avoir du sang par terre. J'ai confondu avec un autre boss, ouais. Alors, hein, ouais, ouais. Voilà, il va foutre du sang là. Après, il y a des pits qui vont apparaître. Ouais, voilà, ouais. Alors, c'est... Voilà. Peut-être que le magicien, il aurait été plus approprié, là. Ok, alors... Ouais, voilà, les pics, là. Ah, la vache, ça passe à travers. Ah, putain, j'ai essayé de viser les deux, là. Ouais, je peux les toucher, ouais, ouais. Non, non, là, il vaut mieux prendre le magicien, je pense. Alors, je crois qu'il m'a purifié que j'ai arrêté, là, ouais. Alors. Voyons voir. Ah, j'ai que 72 ans. Ouais, c'est pas énorme. Ouais, je vais rien pouvoir acheter, là. Cadeau, 666. De mémoire, c'est de la merde, en fait. Pitié, demi, je sais plus ce que c'est. Allez, on va procéder. J'ai dû refaire plusieurs fois ce boss. Ouais, moi, je sais plus, 2-3 fois, je l'avais eu.
Du coup, alors attends, voilà, on va pouvoir utiliser l'ascenseur normalement. Attends, je comprends pas là, pourquoi je peux pas le prendre l'ascenseur? Ou alors c'est quand on l'a tué? Parce que là, attends. Ouais, je peux rien faire là. Ou alors faut un item. Bon allez, on va refaire un essai, mais du coup je vais prendre le magicien. Alors on va refaire la route. À moins que, attends, j'ai une clé bleue là. Ouais, on peut tenter. Je peux tenter d'aller ouvrir une porte. Fais voir là. Ouais, il y a là-haut là. Alors attends. Ouais, c'est bien du bleu, hein. C'est bien du bleu, il me semble, les gars. Ouais, vas-y, on va faire la porte du haut là. Oui, quand tu l'as tué, je crois. Ouais, voilà, d'accord. Ouais. Ouais, donc ouais, le début c'est vraiment laborieux, hein. Ok. Voilà, voilà. Alors attends, là, voilà, ça va être là à droite après ici. Là. Voilà, très bien. Oh merde. Alors, voilà, ok. Porte bleue là-bas. Je sais plus ce que ça fait si on tue ces trucs-là, là. Voilà, ça c'est fait. Ramassons tout ça. Alors, la porte bleue. Bah, ça emmène ouais, une seule salle, donc il doit y avoir un bonus là-dedans. Un item. Inspecter. Il y en a un, hein, l'ancienne armure noire peut soigner son hôte, ouais. S'il s'imprègne de sang. Ah, bah ça doit être ça. Si on récupère une armure noire, voilà. Ok. Voilà, ça te remet les HP, les lanternes, ouais, d'accord. Salut Kirito, comment tu vas? Ouais, là, l'archère, elle est pas du tout adaptée hein, pour les blocs. Là, le mieux, c'est le chevalier. Ah, c'est pas grave, on va tout casser quand même. Le chevalier ou le magicien. Voilà, c'est bon, là. Allez, hop. Ah, bah là, ouais, j'ai bien boosté les orbes quand même. Hein. Ok. Allez, on va dégommer. Voilà, le serpent. Et on va refaire un essai. C'est un jeu next-gen, ouais. Salut, Bribri Doudou. Ah, bah au moins. Il faut au moins une PS5 pour faire tourner à Stallone, hein, t'as vu, hein. Alors, où c'est donc? Alors attends, oui, parce qu'il y avait le passage là, attends. Ici là. Je sais plus qu'est-ce qu'il y avait ici, les gars. Là. Ah bah si, c'est pareil, c'était des blocs. Des blocs à orbes, on va appeler ça comme ça. Voilà. Le feu de camp. Donc voilà, on va prendre notre magicien. C'est bon. Je me demande si ça retournerait sur une console rétro. Oh, ça a un look d'un jeunesse, hein, mais. Ah, il y avait ouais, la porte bleue ici là. J'aurais pu la déverrouiller aussi là. Ça a le look d'un jeunesse, hein, mais enfin, tel quel, non. Tel quel, clairement non, il peut pas tourner sur jeunesse. Hein. Alors oui, c'était par là, je crois, de mémoire. Là, je vais être obligé de le refaire pour le coup, mais il est excellent. Ok, ça c'est bon. Ouais, ça c'est bon. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, quand on meurt, on conserve nos orbes. Hein. Et puis les orbes, vous voyez, elles disparaissent pas, on a le temps de les ramasser. Hein. Ça c'est cool. Allez, on va essayer de buter le boss. HP. Ah oui, ça me remet de la vie, ça. Ok. Sauvegarder. Allez, c'est parti. On va garder le magicien. Ouais, là, avec le chevalier, c'est compliqué. Hein. Le HD en moins, ça pourrait peut-être tourner sur PC Engine. Bah, PC Engine CD, du coup, alors, pour contenir le jeu. Il fait 500 mégas, le jeu, donc il pourrait tenir sur un CD. Bon, allez, blabla, blabla. Voilà, là, ça va être plus confortable, donc... Ouais. Voilà, je vais faire un peu moins de dégâts, mais je vais pouvoir... Ah, le bâtard. Voilà, il tape qu'une fois. Vous voyez, le nombre de dégâts que je vais faire, les gars, là. Là, il va envoyer ses boules. Voilà, mais les boules, là, je peux potentiellement... Voilà, je peux les casser, là. Ok, donc là... Attention. Au pic. Ouais, ça va, il a déjà moitié de vie en moins, hein.
maintenant la question c'est qui va réapparaître. Là-bas, ok. Ah, j'ai réussi à le toucher. Voilà, il n'est pas très furieux, mais faut bien. Faut être patient. Ouais, attends, putain. Je l'ai vu, hein, je l'ai su, hein. J'ai dit, il va faire son. Voilà, il va faire son pic là. Enfin, sa côte là, plutôt, il nous attaque avec sa côte. Voilà, ok, il reste qu'une seule fois là. Du coup, ça me condamne, hein. Je peux pas, je peux plus aller à droite là. On diminue un peu le. Perso, je retrouve là. Voilà, c'est bon, j'ai cassé les orbes là. Bon, ben ça va, ça devrait le faire, les gars. Voilà, hop. Ça devrait le faire, les gars. Il reste 20 PV. Ouais, je l'ai touché un peu là. Voilà, c'est bon. Impeccable. Voilà. Non, bah, ouais, c'est ça, mais il est excellent, hein. Franchement, moi, le jeu qui. Enfin, il me rappelle plus Faxnadu, en fait. C'est Faxnadu en mode Lost Viking, un peu, hein. Allez, c'est bon, les gars. Voilà, boss terrassé. Bien, premier succès. Trophée cornu. Gorgontorus vaincu. Voilà. C'est vrai qu'il y a un côté Wonder Boy. Ouais, ouais, non, mais il est cool, hein. Il est super cool, les gars. Et voilà, premier boss terrassé. Donc, je pense qu'on va avoir la faculté d'utiliser les ascenseurs, là. Voilà, il me drop plein de... Oh, bah oui, là, j'ai plein de... Ah, puis ça, ça va être l'œil du Gorgon, je pense, là. Un truc comme ça. Voilà, œil de Gorgon, voilà. Je vais pouvoir ouvrir les portes. GG. Et ouais, c'est cool. Alors, bah ouais, du coup, hop. Je peux aller là. Voilà. Et puis bah, je vais aller au petit feu de camp. Puis on va arrêter ici, les gars. Ça fera ouais un petit stream. Un petit stream de pas loin d'une heure 10. Voilà, vous avez vu bah, le début du jeu. Le début du jeu. Jusqu'au premier boss. Ouais, je vais essayer, voilà, justement. Voilà, le petit feu de camp. Voilà, se reposer. Je vais faire sauvegarder. Voilà, bah les gars, ainsi va s'achever ce petit stream. Salut Mister Mibou. Bon bah j'espère quand même que la qualité aura été supportable, le son comme l'image, malgré que bah là on n'était pas en HD. Salut Dazel Joke. Du coup bah rendez-vous demain. Demain on va faire un stream sur le PC, je pense. On va peut-être faire un Pocket Magazine, vu que j'ai les deux caméras fonctionnent. Donc on va peut-être se faire un petit review de magazine là. Parce que là, on peut le faire de manière confortable. Alors, une fois que le double saut est acquis, le jeu change. Ouais, ouais, après, c'est plus confortable à jouer. Hein. Voilà. Donc, les gars, bah, bisous à tous. Merci à vous d'avoir assisté à ce stream. J'espère que ça vous aura donné envie bah, de jouer à cet Astalon. Ou bien le refaire si vous l'avez déjà fait. Moi, je suis parti, là. Là, je vais continuer, là. Là, je vais continuer en off. C'est cool. Je suis à fond dedans. Donc, les gars, bonne app. Passez une bonne soirée. Rendez-vous, hop. Demain, même endroit, même heure. Et comme d'hab, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.